Bon matin, j'espère que tout le monde va bien, est en bonne santé. Et je remercie le Seigneur, je vois des gens dans le salon, il y en a d'autres qui sont encore dans leur chambre, je pense qu'ils dorment encore. Et c'est ça, mais on va avoir un bon temps ensemble dans la présence de Dieu aujourd'hui. Il y en a qui sont dans la cuisine, en train de déjeuner, ils me regardent, bon appétit tout le monde. Et aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment content. Je sais qu'il se passe tellement de choses en entour de nous autres, mais ce qui est à l'intérieur de nous, c'est le royaume de Dieu, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Et à cause de ça, on regarde à Jésus. Et on entend les mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Et ce matin, c'est une bonne nouvelle. Le thème de notre enseignement, le thème de l'année, d'ailleurs, c'était la connexion divine. Et Dieu sait à quel point c'était à propos, parce qu'il fallait bien se connecter de la bonne façon, puis avec le Seigneur et avec les autres, naturellement. Et le titre de ce sermon, ce serait « Comment reconnaître la voix de Dieu ». Pourquoi c'est si important? C'est tellement important que ça change votre vie. C'est pour ça qu'on va parler de tout ça ensemble, on va essayer de comprendre comment reconnaître la voix de Dieu. Laissez-moi vous dire en partant, Dieu vous parle à chaque jour. Vous dites, mais voyons, Dieu ne me parle pas à chaque jour, je n'entends pas sa voix. Non, non, non. Dieu, à chaque jour, vous parle. Mais si on ne sait pas reconnaître sa voix, c'est comme s'il ne nous parlerait pas. Il faut savoir reconnaître la voix parmi d'autres voix. Il y a tellement d'autres voix qu'on entend. Par exemple, là où vous êtes, peu importe où vous êtes à la maison, il y a dans cette pièce des images qui passent. Il y a des sons, mais vous ne l'entendez pas et vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que même si on envoie des images et on envoie des sons, si vous n'avez pas un récepteur pour comprendre ou voir, vous n'avez pas moyen de contacter ce son ou cette image. J'espère que tout le monde me saisit ici. Parce que, si, par exemple, si on envoie des sons dans le FM et vous êtes syntonisé à AM, vous n'entendez pas le FM, vous entendez le AM. Et je veux vous dire, parce que quelquefois on pense que Dieu ne me parle pas, sinon Dieu vous parle, Dieu est présent. Mais ce qu'on va étudier, ce qu'on va commencer à comprendre, c'est comment reconnaître sa voix. Parce que si on reconnaît sa voix, on va voir qu'il y a un dialogue constant avec le Seigneur. Alors, les ondes de radio AM peuvent être, par exemple, votre intelligence ou encore vos sens. Vos sens vous communiquent avec le physique. Votre intelligence avec les activités cérébrales qu'on peut avoir, l'éducation, et ainsi de suite. Le FM peut être l'esprit. Voyez-vous, on parle de deux choses. Dieu parle à notre esprit. Mais si vous n'êtes pas dans l'esprit, vous êtes simplement dans l'intelligence ou dans les sens, vous ne reconnaissez pas le Seigneur. OK. Donc, l'esprit parle à notre esprit, mais il y a beaucoup d'interférences. L'interférence, c'est souvent notre cellulaire, les autres qui peuvent être une influence, des occupations, des plans, des projets, la chair. Alors, toutes ces choses-là peuvent être comme un obstacle à entendre la voix de Dieu. Alors, des fois, c'est simplement ça. C'est pas que Dieu nous parle pas, que Dieu vous parle pas, Dieu vous parle, mais les obstacles sont nombreux. C'est pourquoi c'est important. Parce que la voix de Dieu te donne la volonté de Dieu pour ta vie. Laissez-moi le répéter. La voix de Dieu est là pour te donner la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, quand tu manques sa voix, tu peux manquer sa direction. Et je vais parler de ça éventuellement. Alors, donc, si tu n'entends pas, tu vas rentrer dans tes pensées, dans ta logique, et tu vas marcher avec tes idées. Est-ce que vous saisissez, vous allez marcher dans le naturel et non pas avec la direction de Dieu.
je veux démystifier la voix de Dieu, parce que je veux pas que vous rentriez et dire « Ah, oh, c'est mystérieux, c'est mystique, entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. » Non, je vais vous montrer facile. On va commencer avec les premiers petits pas pour reconnaître « Dieu me parle ». Quand est-ce que Dieu me parlait? Où Dieu me parlait? Comment Dieu me parlait? Alors, laisse-moi vous dire ceci. Dieu parle par des choses souvent bien ordinaires de la vie. Laissez-moi vous donner des exemples très clairs. Par exemple, je me souviens, ça fait pas longtemps que j'étais sauvé, et déjà Dieu commence à nous transformer. Et j'étais en marche, et soudainement, pendant que je marche, je vois un papier qui traîne là par terre. Et moi, j'allais prendre l'autobus. Alors, je m'en vais prendre l'autobus, comme... Et je vois le papier, mais je continue. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose que je ne savais pas à ce moment-là que Dieu me disait, il m'entraînait. Ramasse ce papier, mets-le dans la poubelle. Au début, mon intelligence me dit, bien voyons, donc c'est pas à toi de faire ça, c'est pas toi qui achetais le papier. Non. Entendez-moi bien. Dieu commençait à me parler, à m'entraîner par la voix de la conscience. Les gens disent, monsieur pasteur, ça c'est pas important, moi je veux un grand ministère, je veux entendre la voix de Dieu. Non, je vais vous parler de ça éventuellement. Mais pensez à ceci. Comment Dieu va vous aider à avoir un grand ministère et entendre la voix si vous n'êtes pas capable d'obéir à une petite voix qui est là? Par exemple, le Seigneur peut vous travailler, parler sur votre travail, de travailler avec excellence, mais vous êtes porté à négliger. Mais vous ne faites pas attention à cette voix. Ou obéir aux instructions qu'il vient d'avoir. À être honnête. Quelquefois, il y a une tendance, une tentation de ne pas être honnête. C'est tellement important parce que ça peut faire une grosse différence dans votre vie. Laissez-moi aller plus près de ça encore. Je me souviens un jour... on commençait dans le ministère, vous savez, chaque sou était très important. Mais j'avais appris à l'école biblique à dépendre de Dieu pour mes finances. Et laisse-moi vous raconter cette petite histoire. L'Église n'avait jamais été en retard dans un paiement parce qu'on voulait honorer Dieu, on voulait toujours payer nos comptes, jamais être en retard. Mais cette fois-ci, il y avait une somme environ, je me souviens bien, de à peu près 30 $. Ça semble pas beaucoup, mais quand vous n'avez pas le 30 $, c'est beaucoup. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être en retard, je veux honorer ton nom et tout. Le Seigneur dit, va à la réunion prière. Mais je dois vous dire, la réunion prière, quand l'Église commençait, c'est pas les réunions prières qu'on a aussi avec Pasteur Richard et Hélène. Non, c'était, l'Église commençait, on avait environ 5 personnes, m'incluant moi, ça veut dire moi. Dieu parle à mon cœur et me dit, tu vas passer une offrande. Mais écoutez bien, dans cette place, j'ai dit, mais Seigneur, mon raisonnement commence à embarquer. Seigneur, on n'a jamais passé d'offrande là, c'est pas le temps de passer une offrande, on est juste un petit nombre. Ça ne peut pas faire la différence. Mais j'avais commencé à apprendre à obéir au Seigneur. Je me rends à la réunion prière et là, je dis aux gens, « Bon, écoutez, je sais qu'on n'a jamais passé d'offrande durant la réunion prière, mais Dieu me dit de passer une offrande. Donc, faites juste donner les sous que vous avez, un peu de sous, puis tout ça, puis... Je vais avoir obéi au Seigneur parce que je sais que Dieu, si j'obéis au Seigneur, Dieu va pourvoir d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui va arriver. Pour faire l'histoire courte, on passe l'offrande, ça n'a pas pris de temps, tic, 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 tic. Et je n'ai même pas regardé parce que je ne m'attendais pas vraiment à ce que ce soit la manière que Dieu répondait. Mais quand Dieu m'avait parlé, il m'a dit, fais obéir. Quand je suis remonté, j'avais le montant exact de la facture. J'ai tombé à genoux, j'ai remercié Seigneur, merci d'honorer ta parole. Mais cette obéissance m'a appris à obéir à Dieu, même si mon intelligence me dit, c'est, voyons, tu fais jamais ça, c'est pas le temps de faire ça. C'est ce qui fait la différence. Alors imaginez, c'est
que ce soit à 30, 60 $, je ne me souviens pas exactement du montant, mais je vais vous dire, je me souviens que Dieu avait répondu. Mais j'ai appris à obéir à la voix de Dieu. Je me souviens, Dieu peut vous parler des choses tellement, par exemple, vous allez à l'épicerie, vous ramassez des choses, soudainement, vous voyez quelque chose de meilleur, vous mettez ça à un autre endroit, c'est parmi les fruits et légumes. Et là, vous continuez. Dieu peut vous dire, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça que tu fais? T'as déplacé ça, tu n'as pas pris le temps de, ah, mais non, c'est pas important, quelqu'un d'autre va le placer. Dieu est en train de te parler. Mais toi, tu viens, hein, je suis en train de démystifier la voix de Dieu. Hein? C'est comme ces convictions qui viennent sur toi. Ça, c'est la voix de Dieu pour les petites choses. Mais, rappelle-toi, les petites choses, c'est un test pour savoir si tu es prêt à aller dans une plus grande chose. Ah, Seigneur! Monsieur, un des autres endroits, c'était... le patron était comme pas de bonne humeur journée-là, puis il commence à me dire des choses que j'ai pas aimées. Donc, j'ai dit, je laisse le travail, ben, je m'en vais. Je suis rendu sur le coin de la rue. J'étais comme frustré, voyons donc, tu peux pas me parler comme ça. Et rendu sur le coin de la rue, Dieu me dit, est-ce que je t'ai dit de partir de ton travail? Mais j'ai dit, non, mais je me laisserai pas parler de même. Le Seigneur dit, ça, c'est ton orgueil. Tu vas retourner là-bas. Puis tu vas apprendre à partir quand je te dis de partir. J'ai été convaincu, je retournais voir le patron et j'ai dit, écoute, je m'excuse, là, j'ai comme perdu contrôle. Puis tu sais, j'étais obligé de m'humilier. Mais l'important, c'est que j'ai commencé à reconnaître la voix de Dieu, pour savoir comment obéir. Et par la suite, Dieu m'a donné comme des promotions. Tout est un test. Un test de votre obéissance pour votre croissance. Alors, je sais que vous êtes très intéressés à dire, Seigneur, tu sais, je veux que Dieu me parle, puis des fois, on s'attend que je vais avoir un tonnerre, je vais avoir un bruit. Non, non, c'est des petites choses. Je suis certain que quand je suis en train de te parler, et là, tu te dis, OK, c'est là, Dieu m'a parlé, là. Tu commences à reconnaître des fois quand Dieu t'a parlé. Notre petite désobéissance nous chemine vers un problème éventuel. Parce que si tu n'obéis pas au Seigneur, tu finiras pas où ce que Dieu te veut. Et écoute bien ce que je vais te dire. Après ça, on va aller dans un chant. Je veux louer le Seigneur, j'ai le goût de louer le Seigneur, et vous avez le goût de louer le Seigneur, donc on va aller dans un chant. Mais écoute bien ce que je te dis. Si Dieu t'a parlé, c'est parce que c'est important. Tout ce que Dieu demande est toujours important. Donc, cette petite obéissance, c'est très importante. Réfléchis à ça pendant qu'on s'en va vers la louange. Puis on revient parce que j'ai quelque chose à dire sur la volonté de Dieu. Yeah.
Nous sommes de retour. On continue avec la parole, la volonté de Dieu, reconnaître la volonté de Dieu. J'espère que tu as commencé à voir que souvent Dieu te convainc des choses, puis tu résistes à Dieu, tu fais ta tête quand même, tu désobéis. Alors, comment veux-tu que Dieu te fasse entendre plus de choses sur sa voix si celle que tu entends, tu ne la reconnais pas, ou tu y résistes, ou tu n'obéis pas? Tu es en train de te voler toi-même. Parce que chaque désobéissance a un prix. Pense à ça pendant que je te parle. OK, maintenant, on revient à la parole. Mais, écoutez bien. Dans Jean 10, 27, Jésus dit ceci. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Wow! Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Ce n'est pas une question de titre, de couleur, de langue. C'est une question. Et Jésus est en train d'identifier qui sont ses brebis. Il distingue entre qui sont mes brebis et qui ne sont pas mes brebis. Il y a deux étapes. Ils entendent ma voix. Il les connaît. Ils entendent ma voix. Laissez-moi vous donner un petit exemple très humoristique ici. Vous savez, vous avez vu des enfants, des fois, qui jouent dans les rues, tout ça. Et c'est le temps de dîner. Et là, il y a une des mamans qui sort. Et là, qui appelle, « Viens manger! » C'est pas tous les enfants qui s'en viennent manger. C'est qui vient manger? C'est les enfants de la maman. Mais comment ils savent c'est la maman? Ils reconnaissent sa voix. Ils reconnaissent sa voix. Et ils obéissent. Alors, la première chose, c'est d'entendre. Mes brebis entendent la voix. Si tu n'entends pas la voix, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. C'est de l'information que Dieu va te donner. Et ensuite, l'autre, c'est « ils me suivent ». Seulement ceux qui ont la révélation suivent Jésus. Si tu ne le suis pas, c'est que Jésus n'est pas ton Seigneur. Si tu fais à ta tête est le Seigneur. Wow! Particulier. Quand on parle de la voix de Dieu, la voix a besoin du souffle pour former des paroles. La voix, pour avoir une voix, la voix, c'est le souffle qui passe par la gorge dans les cordes vocales. Alors, le souffle est invisible. Il vient de l'Esprit et représente la vie de Jésus. Regardez dans Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. En d'autres mots, l'aspect invisible des paroles, mais les paroles nous donnent une image. Et la raison pourquoi je veux rentrer dans ça, c'est que pour être sensible à la voix de Dieu, il faut avoir faim d'entendre sa voix. Dieu, je veux vous conscientiser. Par deux façons, Dieu nous parle que je vais vous mentionner ici. Donc, je fais une petite récupération. La première chose qu'on doit que reconnaître, c'est les petites convictions qui viennent en nous par notre conscience. Tout le monde vit ça. Mais si on rentre un peu plus théologique dans la parole de Dieu, et là, c'est pour adresser à d'autres personnes, eh bien, aujourd'hui, il y a la parole logos, qui est la parole écrite, qui, quand on lit dans la parole, quand on fait référence à la parole, c'est logos, c'est des mots dans l'original. Mais quand on parle de la parole que vous entendez maintenant, il appelle ça le rhéma. C'est la parole parlée. Logos, rhéma. Logos, rhéma. Dans le rhéma, il y a du logos. Mais ça, c'est écrit. Ça, c'est parlé. Pourquoi c'est important? Regardez bien. Restez avec moi encore quelques instants.
On rentre dans ça. La Bible dit, la foi vient. La foi vient. Laissez-moi corriger quelque chose ici de théologique, parce que beaucoup de gens essaient de produire la foi, essaient de croire, essaient de... Non. La foi n'est pas produite par toi. La foi n'est pas le résultat de tes efforts, ni de ta discipline. La foi, c'est ce qui vient à toi. Comment elle vient? Elle vient avec et par la parole. Si tu m'entends aujourd'hui, la foi vient avec la parole. Mais si toi, tu reçois la parole, mais pas la foi qui vient avec, tu manques. Tu n'as pas l'ingrédient. Comme il y a un ingrédient pour faire un gâteau, ça prend certains ingrédients. Tu ne peux pas en sauter un. Il y a des gens qui veulent créer un autre évangile. Il faut lire l'évangile puis recevoir l'évangile comme elle est. Mais regardez. Romains 10, verset 12. Il n'y a pas de différence, en effet, le juif, le grec, puisque tous ont le même Seigneur. Et je vais vous parler de ça éventuellement. Qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Il est riche pour ceux qui l'invoquent. Si votre Seigneur n'est pas riche pour vous, est-ce que vous l'invoquez? OK, regardez ce que Paul est en train d'expliquer. Verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Allons plus loin. Maintenant, il y a quatre questions qu'il pose. Il dit, verset 14, « Comment vont-ils invoquer si ils n'ont pas cru? » Laissez-moi vous dire ici, il fait comme un retour en arrière. Il parle du fait que la personne invoque. Ensuite, il vient en arrière. Il dit, « Comment ils vont invoquer si... » Comment ils vont... Pardon. « Comment donc invoqueront-ils si celui... en celui qu'ils n'ont pas cru? » Donc, il dit... Donc, invoquer, il fallait croire. Ensuite, il dit, « Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? » Pourquoi? Il faut l'entendre. Ensuite, il revient encore, « Comment entendront-ils parler si personne ne prêche? » Ensuite, il pose une question, « Comment y aurait-il un prédicateur si personne ne les envoie? » Wow! Et là, c'est important de dire, c'est pour ça qu'on supporte l'Église, parce que Dieu nous permet d'avoir des personnes qui vont prêcher la parole, partager la parole, parce que c'est notre responsabilité de supporter le message de Dieu. Ne faillez pas à ça. C'est la plus grande tâche, c'est le plus grand financement que vous allez faire dans votre vie. Vous ne perdrez jamais rien ici. Car, il dit, selon ce qui est écrit, « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et maintenant, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais on l'entend, on ne la lit pas, on l'entend. Donc, la foi vient avec ce que tu entends. Mais tu peux écouter abstrait, tu peux écouter déranger, penser à autre chose, écouter. Non, il y a une façon d'écouter, de recevoir, porter attention et la recevoir comme étant la parole de Dieu. La foi, la foi n'est pas le produit de l'homme, c'est soufflé par l'esprit. Le logos est soufflé par l'esprit, il devient réma. Et il révèle la volonté de Dieu pour toi. Alors, écoutez bien, moi vous avez quelque chose ici, le temps passe, mais êtes-vous encore là? Oui, bien réveillé. OK. Tout le monde a la foi. Les gens disent, mais non, il y en a qui ne croient pas, disent incrusés. Non, tout le monde a la foi. Et la foi dans ta logique. Des fois, tu as la foi dans tes sens. Tu crois juste ce que tu vois, ce que tu touches. Tu peux avoir la foi. Et même dans tes sens, les magiciens trompent tes sens. Tu vois-tu? Fait que ceux qui disent, ah, oh, moi, si je ne le vois pas, les magiciens sont capables de te tromper là-dessus. Il y en a qui ont la foi dans la science. Mais tu sais, même si tu as la foi dans la science change avec toute nouvelle découverte. La foi dans le médecin. Ah, le médecin a dit. La foi dans la psychologie. Philosophe. Quelconque. Mais ce n'est pas la foi qui sauve. C'est la foi que tu mets dans des personnes et dans des choses, mais ce n'est pas la foi qui va te sauver. La foi qui va te sauver doit venir de l'information que tu reçois par le réma, par la parole de Dieu. Maintenant, je te lis ce verset-là. Dans Romains 10, dit, « Que dit-elle donc cette parole? La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche,
dans ton cœur, deux endroits, bouche, cœur, bouche, cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons si nous confessons de la bouche le Seigneur Jésus, pas simplement si nous confessons Jésus, si nous confessons le Seigneur Jésus. Jésus est Seigneur. Et un jour, je vais rentrer dans qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie que la seule façon de savoir que Jésus est Seigneur de ta vie, c'est ton obéissance. C'est car c'est en croyant du cœur, pas seulement de la tête, pas la logique, le cœur, que l'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Aujourd'hui, ce matin, Dieu te parle. Et je crois que Dieu te parle par ses paroles. Dieu est en train de dire, est-ce que tu crois vraiment dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts? Est-ce que tu as besoin de connaître la vérité? Est-ce que tu la cherches, la vérité? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu la veux? Ou tu es occupé avec Jean, Jacques, Henri, travail, promouvoir l'argent, les choses? Il y a ta limite de ta vie. Et je veux dire, Dieu te parle ce matin. Tu ne pourrais jamais dire, je ne savais pas. Dieu te vient dire quoi faire. Tu dois recevoir Jésus dans ton cœur, dans le cœur. Et confesser que Jésus est le Seigneur et commencer à lui obéir. Et si tu fais ça, Dieu dit, je te garantis, tu vas être sauvé. Donc, Dieu te rouvre la porte. Dieu te donne les moyens d'être sauvé. Alors, je vais faire une prière avec toi. Je vais faire une prière avec toi. Dis-lui, Seigneur Jésus, dis-lui, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Entre dans mon cœur, sauve-moi, délivre-moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. C'est pourquoi je te proclame Seigneur de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as dit ces paroles, appelle ou écris, va voir sur l'Internet mcigc.ca et fais le travail, juste de donner ton nom, on va venir t'en aide, on va vouloir t'encourager avec tout ça. Et pour les autres qui sont là, c'est sûr que la semaine prochaine, si Dieu le veut, on va continuer pour rentrer davantage. Nouveau Testamentien, Testament, comment Dieu parlait, comment il parle aujourd'hui, comment Dieu te parle aujourd'hui. Commence à devenir sensible à ça. Commence à obéir aux petites choses qu'on a parlé aujourd'hui. Et en obéissant à ces petites choses, Dieu va te montrer d'autres choses. Il va te parler pour des plus grandes choses. Ça peut faire la différence entre ton bonheur, ta tristesse, ton succès, ton échec. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Est-ce que tu es une brebis? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu le suis? Voilà les questions que tu dois te poser à toi-même, à ton cœur. C'est important, c'est un privilège pour moi d'être avec vous encore aujourd'hui, ce dimanche, où on glorifie le Seigneur ensemble. On va chanter après la prédication, il y a encore des chants. C'est tellement bon. Restez dans la louange, louez le Seigneur. Vous allez voir, c'est super bon. Et on va rentrer davantage dans comment Dieu nous parle. Quelles sont les différentes facettes que Dieu nous parle? On a vu que Dieu nous parle par la conscience, des petites convictions. On a vu que Dieu nous parle par la parole. On a vu que Dieu nous parle par le rhéma. C'est juste un commencement. Ne manquez pas la semaine prochaine. Soyez là. Appelez vos amis. Dites Dieu. Si tu ne sais pas comment Dieu parle aujourd'hui, on va te dire comment Dieu te parle aujourd'hui. Mais j'ai encore le goût de louer le Seigneur. J'ai encore le goût de glorifier le Seigneur. Et même si vous avez toutes sortes de mauvaises nouvelles, rappelez-vous, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour ça qu'on garde la joie, on garde la paix. Et dans la communion avec le Seigneur, Dieu me dit, le COVID est vaincu. L'esprit en arrière de ça, c'est déjà vaincu. C'est une question de temps et tous les faits vont partir. Je sais qu'on est dans le pire, ça a l'air des paroles bizarres, mais moi je vous dis, nous sommes vainqueurs. Dieu nous a donné la victoire sur le COVID. Je vous bénis. Merci, Seigneur. Merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas, écoutez la louange, visitez le site, ayez
pour l'iPhone, l'application, voilà, je trouvais pas le mot, j'ai trouvé. Et que Dieu vous bénisse abondamment, passez une journée extraordinaire. Bonjour tout le monde. Thank you.